Quels sont les mots qui s'écrivent avec un E prononcé A? Un E qui se prononce A, en voilà un piège. Heureusement, les mots concernés sont peu nombreux. On trouve tout d'abord les adverbes en amant lorsqu'ils s'écrivent avec E, deuxième ENT. Par exemple, différemment, consciemment, précédemment. Le reste se compte sur les doigts de la main. Il y a d'abord femme et les mots de sa famille, sage-femme, femmelette. Puis solennel et ses dérivés, solennellement, solennisé et solennité, qui prennent tous deux N. Et enfin la couane, qui désigne notamment le gras qui entoure le jambon, et son dérivé couaneux. Signalons aussi moelle, M-O-E-2-L-E, et poil, P-O-E, accent circonflexe L-E, et leur dérivé, moelleux, poilon. Un dernier mot prononcé aujourd'hui avec le son E, qui se disait autrefois A, hennir, le hennissement. On disait donc le cheval hanni. Vous aurez sûrement remarqué que dans tous les mots concernés, le E prononcé comme un A précède soit deux N, soit deux M, soit deux L. Et il y a une bonne raison à cela. En effet, ces graphies curieuses témoignent d'anciennes prononciations. Je m'explique. Vous savez déjà que la langue évolue, mais saviez-vous que la prononciation change plus vite que l'orthographe? Dans ces mots, l'écrit a un temps de retard sur l'oral, et transcrit toujours d'anciennes prononciations. Par exemple, l'adverbe décemment a été prononcé décemment, puis décemment, et enfin décemment, comme aujourd'hui, mais c'est toujours à la première de ces prononciations que l'orthographe actuelle correspond.